Salut les Easy Drummers, bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs et batteuses et le bonjour à tous les lecteurs de Batterie Batteur Magazine. Aujourd'hui, je vous propose une relecture d'une chanson phare d'un des plus grands groupes de rock, One de U2. Un titre ultra court, comme le nom de cet immense groupe irlandais qui possède une discographie incroyable, remplie de tubes planétaires dont One fait partie. Plusieurs transcriptions existent, et pour ceux qui ont vu U2 en live, vous savez que Larry Mullen Jr., le drummer au tempo infaillible, joue avec un tom bass sur sa gauche qui lui permet d'organiser ses distributions sonores d'une autre manière, notamment sur ce titre. Comme tout le monde ne possède pas un deuxième tom bass, qui plus est à sa gauche, je vous propose une version adaptée à un kit dit normal. On commence par le jeu de Charlie qui est tout à fait basique, avec un pattern en croche sur deux mesures, et quand même une petite ouverture sur le E du quatrième temps de la deuxième mesure pour boucler le cycle. Ça, c'est accessible à tous. Dans la phase 2, on pose les coups forts de la caisse claire sur 2 et 4, on est encore sur du basique. Mais pour aller plus loin, en phase 3, on ajoute des ghost notes sur la deuxième et quatrième double croche, juste après les coups forts. C'est ce qui rend ce groove totalement envoûtant. Un excellent travail de contrôle du son à la main gauche. Dans la phase 4, on ajoute le tom bass dans la deuxième mesure sur la quatrième double croche du deuxième temps. Il remplace la ghost note pour créer un effet de rebond dans le groove. Le petit coup de génie de Larry Mullen basé sur une idée hyper simple. Il ne nous reste plus qu'à rentrer la grosse caisse avec un motif de deux croches joué sur le premier et troisième temps de chaque mesure. Avec ça, on a tout pour se faire plaisir avec cette magnifique chanson de U2. C'est parti! Voilà, j'espère que le groove de One vous a donné autant de plaisir que moi à le jouer et je vous invite à aller écouter plus en détail le jeu de Larry Mullen Jr. qui, avec des idées super simples, réussit à sublimer un groove tout en restant au service de la chanson. Et si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, commentez, partagez et abonnez-vous pour pousser Easy Drumming dans les tuyaux du référencement. Comme d'habitude, vous trouverez dans la description les liens pour télécharger la partition gratuite, vous inscrire à la newsletter Easy Drumming et tout savoir sur ma méthode Ethnorhythm. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci à Batterie Batteur Magazine et à tous ses lecteurs. N'oubliez pas que le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. C'est tout pour aujourd'hui. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour une nouvelle vidéo.